L'association a environ 2 ans et demi et nous l'avons créée pour valoriser le Camino Mieux, l'ancien chemin des pèlerins qui allait, pour ce qui nous concerne, de Montpellier à Toulouse. Il est pratiqué en partie, on va dire, dans le Minervois. Il n'est pas quelque part officialisé comme il doit l'être par un sentier de grande randonnée, mais sur le terrain, il est prêt, quoi. Donc le Kaïla, c'est en fait la colline qui porte le nom du site aujourd'hui connu, c'est-à-dire c'est un site qui supporte un oppidum. Donc oppidum désigne un village fortifié, et les Élissiques, c'est le peuple qui vivait entre les vallées de l'Orbe et les Pyrénées-Orientales, dont la zone d'influence s'étendait jusqu'à Carcassonne. Des chercheurs émérites, Odette et Jean Daffanel, l'ont inventé quelque part, et grâce à leur travail, quoi, la communauté scientifique a donné le nom de Maïlassien à cette époque de l'âge du fer. Tout simplement une petite balade et une rencontre avec les fouilleurs, donc les archéologues qui travaillent autour de ce site depuis maintenant 4 ans. Et aussi une rencontre avec Odette et Jean Taffanel à travers un film documentaire. Il suffit de téléphoner et s'inscrire à l'Office du tourisme du Somail, donc au 04 68 41 55 70. Bon, la balade, la participation est de 3 euros, mais pour la journée, on peut aussi se restaurer. On organise un petit repas, moyennant 10 euros pour un repas complet, quoi. Toujours pareil, la réservation est à l'Office du tourisme.